Tendance coloration 2023, cheveux blonds, ces sublimes vont rehausser votre chevelure. En 2023, l'objectif est de sublimer sa coloration naturelle avec de subtiles nuances canon. Marre de l'entretien et des produits spécifiques trop coûteux à la longue. On préfère les nuances discrètes qui permettent d'avoir de multiples contrastes dans sa chevelure afin d'apporter de la dimension. Le rendu souhaité, que les rayons du soleil illuminent les mèches et qu'un coup de vent les dévoile par surprise. Après vous avoir dévoilé les nuances gourmandes parfaites pour les brunes, voici les différentes teintes qui raviveront les cheveux blonds selon Diane Coppa, hair styliste et fondateur du salon Hair Factory Paris. Si vous souhaitez sublimer votre blond, repoussez vos limites et commencez à expérimenter d'autres paramètres de nuance. Voici trois teintes à essayer absolument sur votre chevelure. 1. Les blonds perlés. Cette nuance de blond mélange l'irisé et des teintes très froides allant jusqu'au platine pour offrir un look chic. L'idéal avec cette subtile coloration est qu'elle s'adapte à toutes les saisons. Aussi bien en été quand le soleil illumine les longueurs ou en hiver avec un bonnet de couleur flashy. Selon les dires de l'expert, cette nuance de blond convient parfaitement aux personnes qui ont la peau pâle, le teint laiteux et les yeux clairs. Côté coiffure, c'est très joli sur une coupe à la garçonne ou sur une chevelure longue. 2. Le champagne rosé. Cette teinte est un blond doré avec des nuances irisées légèrement rosées qui confèrent un look capillaire à la fois subtil et original. Pour obtenir un résultat canon, le mieux est d'avoir une base cendrée et froide sur laquelle ajouter des nuances de blond chaud. Ces dernières apportent une belle dimension à la chevelure. Le champagne rosé s'adapte au teint légèrement hâlé et aussi bien à celles qui ont les yeux clairs que foncés. 3. Le beige épis de blé. Très inspiré des années 70-80, le beige épis de blé correspond au blond doré porté par Brigitte Bardot à l'époque. Imaginez des subtiles mèches jaunes dorées des champs de blé mûrs indissociables de votre blondeur naturelle. Cette nuance est à privilégier sur les peaux mates à aller. Attention, sur peau claire. Le rendu n'est pas joli puisque l'illusion sera trop ton sur ton. La coloration aura donc tendance à jaunir votre teint.